Re tout le monde, on se retrouve pour la suite du donjon. Alors, donc on était ici où on ne savait pas trop quoi faire. Donc quand on active ça, du coup ça fait apparaître deux trucs et là hop il disparaît. Alors je me demande si j'ai pas besoin de l'aide de Meia. Voilà. Donc là pour l'instant je pense que je suis coincé. Ici j'ai soulevé un pédestral, alors peut-être que ça a activé quelque chose. Je ne sais pas. Ça me gratte sa mère. Ok, on va essayer d'aller ici. Clairement ici, ça ne change rien. J'ai vu les... Tout simplement les pédestrales qui étaient encore surélevés. Après peut-être ici... Oh putain. Ici, ah oui, ici il y avait deux coffres qui étaient enterrés. Alors peut-être que ça a changé quelque chose. De la bouboule. Piu 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 piu. Ah, ah ben ok, donc du coup ces pédestrales ont pour but d'actionner l'accès à certains coffres, je pense. Une herbe. Alors ce qu'on va faire, on va faire ça comme d'habitude. Il me manque un peu de cœur. Alors hop. Et là un vaisseau de vie. Non. Oh, une clé. D'accord. Par contre je me dois fait chier. Je me demande où est-ce qu'on va pouvoir utiliser cette clé. En haut il n'y a rien. Que je réfléchisse. Après je sais qu'il y a une porte là-bas, mais ce serait trop simple. À mon avis il doit falloir ah. Okay. Tu es en retard, Alundra. Que se passe-t-il? Tu vas laisser une fille te battre? Voici l'occasion de te rattraper. Aide-moi à libérer le piège trouvant dans cette salle. Il faut appuyer sur les interrupteurs de gauche à droite en même temps. Allez, essayons. Fais bien attention à moi et appuie sur les touches, sur tes touches quand j'appuie sur les miennes. Ok, Alundra, le chemin vers la porte est libre. C'est le moment de vérité. Ok, donc maintenant... Ok, sauvegarder. Ah. Ah, salut, je n'ai pas reçu de visite depuis tellement longtemps. J'insiste pour que vous entrez et que vous mouriez. Oh. Ok, des espèces d'yeux. Ok, donc il faut le taper jusqu'à ce que les yeux descendent. Pour ensuite, d'accord. Fracasser. Ok. Donc il faut se focaliser sur un. Mm-hmm.
va les repincer. On va le chain comme ça. Moi je perds pas de vie, hein. Je suis calé là. Voilà, t'es long à crever par contre. Faudrait mourir là. Ah, ça y est, il m'a touché. Ouh, toutes les vies, toute la vie qui m'enlève. Ça valait le coup d'avoir le pendentif de Nava. Qui a été changé. C'est relou. Pour l'instant ce boss n'apporte rien du tout. Si au moins je pouvais en tuer un, ça serait cool quoi. Histoire que ce que je fais, ça... Je pense pas que ça serait pour du vent quoi. Je pense pas, il se met en surbrillance et tout. Oh là là, c'est long. Et tu vas crever, oui. Après j'ai pas pris l'épée de légende, alors du coup je fais moins de dégâts que ce que je devrais en faire. Ça a peut-être un impact. C'est long. Ça y est, ils se sont réchangés. Vas-y, lui, je l'ai tapé plus qu'une fois. Il doit être au bord du gouffre, là. Ils font super mal. Ils enlèvent 4 cœurs quand même. Hein. Voilà, on est full life. On est full life, en plus on est full en route. Le défi a été dominé. Calé. Alors j'imagine que cette partie là va être très dure. Enfin très longue. Parce que il y a 4 entrées. Enfin il y a.
Ouais, j'ai peut-être fait une bêtise là. J'ai tapé sans faire exprès, j'ai cru que j'avais tapé. On va voir ce qu'ils m'ont dit. Ici. Ok, rien du tout. Alors on va voir si. Déverrouiller quelque chose ici, rien du tout. Dans ce cas, allons-y. Parce qu'après là c'est pareil, là, je vais pas y aller. Ok, donc on a cassé le violet, donc la suite sera violet, d'accord, ça marche. Ça marche comme ça, comme ci, comme ça. Hop, on va pouvoir récupérer notre cristal de mana, une graine de mana. Hop. Ok, tout ce que j'aime, on a ici. Le coup, ça va être une mimique, ça. Oh, le vaisseau dit du donjon. Nous sommes donc à 37. Ce qui est plutôt pas mal. En fin de compte. Mais je ne voulais pas tomber. Petit con. Ça va, ça va. On a compris, tu voulais pas bouger. Ils sont dégueulasses ces bestiaux là. Ces godes à tentacules là. Donc, qu'est-ce qu'il faut pas faire tomber? Désolé, je suis un bourrin, mais... Avant de m'aventurer quelque part, j'aimerais bien d'abord explorer tout. Pour l'activer, il faut activer ça. De toute manière, j'arriverai pas à passer son permis de vie. Je suis trop nul. Alors, on avance comme ça. C'est où ça quand même? Il avance. Il avance sans que je lui demande le truc. Est-ce que les trucs tombent? Non. Ok, donc on va sauter ici.
on atterrit dans une autre partie du truc. D'accord. Ici, il y a un œil. Ah. Ok, donc ça me renvoie ici. D'accord. Jusqu'à présent, je suis d'accord. Ici, si je tombe, que se passe-t-il? J'atterris ici. D'accord. Donc ici, il y a un TP. Qui me mène ici. Ok. Qui sont levés. Est-ce que cela va m'être utile? Ok, d'aucune manière. Ok, donc pour l'instant on va retourner là. Salut vous, laisse-moi tranquille. Non, pas là. Si je tombe ici. Ah, cool. Donc, il y a un téléporteur ici, un interrupteur là-haut. Alors j'imagine que ces trucs ont une utilité. D'accord, alors on va aller là. Parce que... Ok. J'arrive à peine à faire bouger cet adapteur, il doit être possible une nouvelle reprise. Alondra, je te le jure, jamais je ne t'ai rangé parmi les hommes qui traitent les femmes comme des paillassons. Donc là, du coup, on a fait monter les cristaux. À quel endroit on avait des cristaux? Est-ce que les trucs restent allumés? Non. Alors du coup, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut se servir des... D'accord. Il faut se servir des piliers là pour... progresser sans tomber. D'accord, donc là je suis un peu dans la mouise.
Et où est le dernier? Ou l'avant-dernier, je ne sais pas. Il y en a un autre là-bas. Ah, je suis dans la mouise. Je suis dans la mouise. Dans la mouise, fait chier. Ok, il doit y avoir une autre façon. Alors lui, on va l'écouter avant que monsieur nous s'embête. Hop, on va aller là. Il y a juste un truc où j'aimerais aller. C'est-à-dire ici. Non, c'était à côté. Ah non. Il est où le téléporte? Ah, il est là-haut. C'est celui-là là que je voulais tester. Parce qu'après, il n'y a plus d'autres. Je voulais juste essayer de voir si les piliers que j'ai montés ont tout simplement un intérêt. Ici. Donc là, ouais. Ça, ça, ça. Je m'énerve. Je m'en tape à la couane. C'est vrai que c'est utile, mais bon. J'ai déjà regardé mon niveau. Elle a une clé. Une clé. Donc, ok. Mais il va être fou d'elle. On fout de tes pièces, je veux de la vie. Et là peut-être qu'il va y avoir Mia comme tout à l'heure, non? Pour m'aider. Que dalle. Alors. On doit arriver à aller sur toutes les plateformes. Nous devons réfléchir. C'est là. De toute manière, je ne peux rien en faire. C'est là. Donc il y a un truc là-bas, ok. Est-ce que je peux? Non. Ça aurait été trop beau pour être vrai. Si je fais ça. Non, je me coince. Quoique. Là par contre je me suis coincé. Je me sers de celui-là pour l'activer là-bas. D'accord. Oh non. Vous voyez tout ce que je voulais faire. Ah.
D'accord. C'est bon, je crois avoir compris. On va tester ça tout de suite. Enfin, je crois avoir compris. C'est un bien grand mot. Et ben, je suis peut-être pas au bon endroit. Ok. Donc, lui, il faut qu'il aille là. Ça, c'est inéluctable. Hop. Hop. Lui, il faut qu'il aille là. Hop. Hop. Lui, il faut qu'il aille là. Simplement pour ça. Ensuite. Pour ça. Ensuite, ce duo, on s'en fout un peu. Tout ce qu'ils font, c'est nous gêner. Ou alors, il y a ça à faire. À la rigueur. Pour nous aider à faire ça. Hop. Ensuite, il y a ça. Et lui, hop. Voilà. Et lui, du coup, il doit nous aider à revenir sur la plateforme principale. Hop. Hop. Voilà, on sauvegarde encore. Et on y va, on récupère notre épée. Et on y va. J'ai pas tous mes cœurs, ça c'est chiant, mais bon. On va s'arranger comme ça. Allez, c'est parti pour un deuxième boss, je pense. Pauvre petite chose, je regrette que vous soyez venu jusqu'ici. Encore ? Oh, déjà qu'ils sont chiants une fois, alors deux fois. Ah, par contre, là, on veut plus commencer. Eh ben, avec la glace, c'est chiant. J'ai l'impression que je vais mettre trois plombes. Alors qu'avec ça... Je vais peut-être me mettre trois plombes. Nom de Dieu. Arrête de rebondir comme ça, enfin, arrête de glisser comme ça. Oh là là, va être foudé. Soy une merde. Ouh, je suis dans la grosse merde. Le temps est venu d'utiliser ceci. Ah, ça a pas marché comme tout à l'heure là, hein. Salopio. Quel idiot ce roux. Mais il y va dedans, mais sans déconner. Eh ben. Le fameux. Donc on a récupéré tous les coffres d'ici.
Le cachet a été anéanti. Yeah. Ok, donc on va détruire notre cristal. Il en reste deux, on va piquer celui-ci. Et on est reparti. Donc ici, on a récupéré tous les coffres. Ouais, on a récupéré tous les coffres. Maintenant qu'on a levé le pédestral, machin, on va retourner à la salle. Tu m'emmerdes, toi, tout simplement. Je vais te massacrer à chaque fois. Le mec, il a peur des armes. Oh non, ça glisse, putain. Non, pas là. Mais non, tu n'as rien vu. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici déjà? Ah, j'ai débloqué des pédestrales, alors peut-être que... Pas le bon. Ah, mais j'ai débloqué ce truc parce que... Ok. Ok, ça enlève juste le... Si je vais là, ça me remet dans la merde. Oh, il y a des téléporteurs de partout. Pouvais-je? Ok, pardon. Oh là 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 là. Faire des cœurs inutilement. Ok. Donc ce truc là serait une espèce de passerelle entre les divers endroits où il y a les cristaux. Voilà. Celui qu'on a déverrouillé. Donc j'aimerais bien y refaire un tour et vérifier celui en haut à gauche. Hop. Ce que je n'ai pas encore vérifié. Hein ? Bah écoute, je suis preneur, hein. Ok, donc là on va pas faire l'astuce de l'herbe parce que on s'en fout. J'aimerais juste aller là et sauter tout en bas pour essayer de récupérer, de retourner dans la salle. Dans la salle en haut à droite, là il y avait des choses à récupérer. Peut-être que on les a déverrouillées. Je ne sais pas comment on peut les récupérer, mais bon. Tout ce qui est sûr, c'est qu'il me reste un cristal à démonter et que je n'ai vraiment pas d'idée où c'est. Ah mais si, je suis bête,
Il y a eu deux trucs à... Ok. Il reste deux pédestrales à lever. D'accord. Donc, on va y aller. Ok, donc on va pas prendre la vie. On va commencer par ici. Ce qui nous emmène ici. Si je saute, j'imagine que je vais être coincé. Que se passe-t-il, Honora? Tu as un peu de mal à avancer. Utilise ton coup de poulet musclé. Je vais avoir besoin de ta tête, ton beurre. Ah, on dirige meilleur. Ok. Ok, ok. Et la voix est révélée aux fidèles. Allons-y. Je ne limite. Ouais, on va aller. On verra bien ce que ça nous donne. Ça va peut-être nous permettre d'élever un truc. Non. Ça nous donne. Rien du tout, ça nous donne qu'on est coincé. D'accord. Donc on doit détruire les verres de chaque salle. Enfin, de chaque partie. Ça c'est très bien, on est fou. Sauf que là, on n'a pas la clé par contre. Donc il va falloir la récupérer dans le... Dans le passage à droite. Ok. Pour le test, on va essayer de péter tous les verres. Non! Enfoiré! Putain de juif! Attends, j'ai pas besoin de galérer avec la cape. Ok, donc ici on a débloqué ça. Maintenant, on a peut-être débloqué... Oui, on a débloqué le triangle, ce qui veut dire qu'on a... nous avons débloqué... l'endroit... Je vais vous... On va voir ça. Youhou. On va voir ça. C'est tout simplement ici. Voilà. Voilà, on a débloqué ce truc-là. Et donc, maintenant... Comment y aller-tu? Comme ça, ok, c'est bon. Ça passe. Yes! La key! Bah, allons directement l'utiliser. Scoop, il a mis des cailloux là quand même. I'm wishing I could be like the cool kids. All are the cool kids without the pet in. Ah, ça aussi c'est cool qu'on n'ait pas à refaire. Ah, oh, par contre ils sont quand même là. Aïe. La vie, j'aurais bien voulu
sens trop. Oh, formidable, des invités. Je m'en serais bien passé, mais je n'ai pas trop le choix. Oh non, ils sont deux. Ils sont chiants, eux. On va les mastodoniser comme ça. Je suis coincé. Oh, saloperie. Saloperie de vomi géant. Je ne peux pas m'atteindre comme tout à l'heure avec le... Voilà. J'ai trouvé le glitch. Étant donné que je fais plus de dégâts à l'épée, je me demande si ce serait pas mieux que je prenne l'épée. Hop. Mine de rien. Mais quoique, elle était bien la glace, parce qu'au moins je tapais les deux en même temps. Autant que je n'ai pas besoin de... Allez, meurs, enfoiré de ta mère. Allez, on aura pété tous les cristaux. J'imagine qu'il restera peut-être un boss final. Ah, je peux. Ouais. Magnifique. Ah, il va bientôt mourir là. Récupère sa petite épée. Hop, et on va détruire le dernier Chrysal. Ok. La mort stylée du cristal.
dégager un peu aussi. Ouais, il y a quand même deux coffres là que je ne sais pas comment on peut les récupérer. Mais bon. Non, c'est chiant ça. J'aime pas utiliser la cape. Et maintenant, où est-ce qu'on va aller? On va aller ici. Faire ceci. Maintenant, il y avait un truc à faire. Hein. Essayez peut-être de retourner où il y avait les deux. Je crois pas que ce soit là. Effectivement, c'était... Ah si, il y a un portail de TP. Ah oui, mais non. On sait où ça va nous mener. Oh là là. Quel talent. Quel nageur aussi. Alain Bernard est parmi nous. Surtout, je suis même pas obligé. Je suis même pas obligé, je me prends la tête de ouf. Écoutez, là, c'est le seul endroit où il y a vraiment rien de rien. Si je vais là, où est-ce que ça m'amène? Ah, un nouvel endroit. Si je vais là, ça m'amène ici, ok. Voici l'endroit. Les rochers semblent passer à un mauvais endroit. Aucune idée géniale pour surmonter ce petit obstacle. Ah, tu vois. Ok. Oui, bah j'ai ça, mais... Moi, je me demande, est-ce que... Voilà, d'abord j'ouvre les coffres et après je te libère, d'accord? Ou ça c'est pas bien ça? Ok. Les deux super coffres de la mort. Alors j'aimerais d'abord faire ceci, récupérer ça. Ok, si je te libère. Bon, bon, tu as plein de ressources. Un endroit. Oh oui. Et encore, tu m'as pas vu. Enfin bref. Où est-ce que ça nous mène ceci? Ici, donc on s'en tape la couane complètement. Ok. Ensuite. Hop. Ici, où est-ce que ça nous mène? Quand la terre déchaînera sa colère, seul le fruit des années pourra apaiser sa fureur. Ok, il y a un truc à faire. Ça passe quand même. Oh non, le salopio. Ok, donc de toute façon, ça doit pas être là. Et on n'a pas la clé.
À mon avis, ça va être comme d'habitude. Pour l'instant, on va aller là. D'accord, donc il y a deux leviers que si j'active, que se passe-t-il? Je débloque ça. Et si j'y vais, où est-ce que j'atterris? Ouais. Donc le pédestral du feu, c'est affaissé, ok. Donc là, je dois pouvoir récupérer, je pense, les deux coffres. Mince. Si je vais là, où est-ce que j'atterris? Ici. Donc, on va récupérer tout simplement les deux coffres. Ça ne va pas être ici. Je vais pas me faire avoir cette fois-ci. Ah non, pas du tout. Mais alors pas du tout, je sais pas du tout. Alors, ces coffres là, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut nous les faire avoir. Ou alors Meia. Que je réfléchisse. Si je retourne ici. Maintenant que j'ai baissé le pédestral, est-ce qu'il va se passer un truc ici? Oh! Donc ici, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Là-haut, ça sert à rien d'y aller. Quoique c'est peut-être lié, on va aller faire un tour parce que sinon ça va me titiller. Ok, là j'imagine que je peux tomber. Et atterrir ici. Ok. Donc on sait maintenant comment avoir ces deux coffres. Maintenant on sait comment avoir la clé. Du coup, parce que j'imagine que dans un des deux coffres il va y avoir la clé pour accéder à gauche là-bas. Et que du coup Meia va peut-être me donner un coup de main. Par contre tous ces types là, ils sont en train de me gonfler. Putain, bande de ratch. Ils m'ont rien donné de rien. On va sauter. Ok. Ouais, là ça va être... Ouais. Ok, donc là on a la clé, d'accord, très bien. Est-ce qu'on peut... Oui. Là on va voir quoi une herbe. D'accord. Donc ça c'est plutôt bien, parce que j'avais vraiment besoin de me soigner. Hop. Maintenant qu'on a la clé et qu'on sait la dernière salle... L'épisode va durer 30 ans, je vais encore mettre 30 ans à le créer. Effectivement. On sait que c'est ici maintenant. On a la clé pour ouvrir. D'accord, il n'y a pas Meia.
terre déchaînera sa colère, seul le fruit des années pourra apaiser sa fureur. Je comprends rien. Ok, donc ce truc là a l'air d'avoir vraiment un impact. Ok, donc tout cela il pète plus. En fait c'était ça, c'est ce que je faisais, il fallait boucher les trous. Non, c'est pas celui-ci. Pas celui-ci. Mais il y a un... Non ! Il y a un gros trou là-bas. C'était donc ça. Sauvegardons et affrontons une dernière fois le boss ou pas. Nous avons détruit les trois autres cauchemars, ce qui veut dire que celui-ci... Que celui qui reste, ça doit être la vraie Hélène. À nous deux, nous allons nous débarrasser du château des imposteurs. Je ne sais pas comment vous en remercier. Il y avait trop de monde dans ce château auparavant, mais maintenant j'ai beaucoup d'espace. J'aimerais pouvoir te récompenser, mais tout ce que je peux faire, c'est te sortir de ce misérable rêve. Je suppose qu'il te faudra te préparer pour cela, non ? En attendant, ciao, à toutes. Non. Eh. Tout voici de retour. Hélène va-t-elle s'en sortir? Ou bien, en a-t-elle fini avec notre... Ou plutôt son supplice? Ce qu'il vient de dire, c'est vraiment du bon. Après tout, elle fait partie des sujets. Mais peu importe. Allons d'arrêt réussir à la sauver et à rentrer sans souffle. Nous devrions nous réjouir. Oh, ma fille Hélène, elle a ouvert les yeux. Suis-je morte? Êtes-vous des anges? Merci Alundra. Je savais qu'au moment voulu, tu ferais le bon choix. Le choix héroïque. Alundra, jamais trop adresse ton courage. Un monde impressionné. Et Meia, toi aussi tu mérites d'être félicité. C'est du bon boulot. Maman, lui, va me sucer le dard. Alundra et Jürg, donnez ma promesse, je ne pourrai plus en servir de ma vie. Ma vie mérite un père qui n'a pas besoin de bouteilles pour faire face aux difficultés quotidiennes. Voilà. Il n'y a pas grand-chose, mais je tiens à te l'offrir. Le fléau de fer a changé contre le fléau d'acier. Yeah. Ce qui veut tout simplement dire que maintenant, le fléau, il va faire mal. Vous devez être brisé, rentrez chez vous, reposez-vous. Je vais rester ici un moment pour m'assurer qu'Hélène va bien. Allons-y. Bon, ben on va profiter de cette petite pause régénératrice pour mettre fin à cet épisode. Ah, peut-être pas. Désolée de venir si tard. C'est Gilles. Il est redevenu fou. Alundra. Et cette fois, c'est encore pire. Je ne sais pas quoi faire.
J'ai l'impression que moi aussi, je vais perdre la tête. Tu dois m'aider. Hein? Vous êtes bien hommage, ta pauvre hôtelier mais inquiétante. Comme si cela ne suffisait pas en cette période troublée. Gilles est de nouveau la proie d'un cauchemar. Mia chez lui, mais elle refuse d'entrer dans son rêve, je ne comprends pas pourquoi. Une fois de plus, elle rendra sa vie entre tes mains. J'admire ta force de caractère, mais je ne sais pas comment tu fais pour tenir le coup. Je suppose que tu n'as pas le choix, je crois que tu le ferais bien maintenant de te rendre chez Gilles. Ok. J'aimerais bouger. D'accord. F1. Alors, le fléau. Alors maintenant on peut faire ça et faire un... Ok. Bon. On va se dire à la prochaine. Pour la suite. Donc le rêve de Gilles, j'imagine. Ou quelque chose qui se passe avec Gilles en tout cas. On ne sait pas. On ne sait pas. Allez, je vous dis à la prochaine.